Zombie apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite d'Assassin's Creed Unity, mais l'émission annexe. Donc, nous sommes rendus là. Hop, comme vous voyez, j'ai changé d'équipement. J'ai rajouté un petit pantalon. C'est comme on a pu voir l'histoire, on peut vraiment s'équiper et personnaliser à fond. Donc, je me suis acheté un petit pantalon. Par contre, où est le truc là? Ah, il est en dessous. Ok. Okay. Alors, du coup, on va prendre la carte. Merde, c'est pas ça. C'est la carte que je veux. Donc là, nous sommes dans l'île de la cité. Donc, on l'avait. Ah, île de la cité, pas île de justice. La dernière fois, on était à la cité. Du coup, ben, on va rester là. Hein. De toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin, je vais le dire. Ce serait bien de faire aussi là. Ouais, ça. Je vais faire ça en priorité. On va peut-être mieux voir justement. Le point de synchronisation, voilà, je perds des mots. On va le faire maintenant, ça sera fait. Attends. Allez, c'est parti. Motivé. J'aimerais bien faire une petite mission aussi que la dernière fois, ce serait sympa. Et du coup, maintenant, ouais, on commence à avoir du style quand même. On va vraiment avoir de la gueule. Allez, on se... Je t'emmerde, je fais ce que je veux. Déjà j'ai beaucoup moins mal quand je saute, hein. Franchement. Allez, bonjour. Du coup, c'est encore derrière après le bâtiment là-bas. Par contre, je pense qu'il y a juste un truc qui manque dans ce jeu. C'est les chevaux. Voilà, personnellement, ça restera mon avis personnel. Je pense que vraiment ça va manquer. Enfin, bon, ça va. Alors. Ah non, c'est une mission, ça. Je suis con, moi. Quoi. J'avais prédit. Il n'y a pas de. Ah, d'accord, il est là. Vous êtes con, moi, je vous le dis. Le point de vue est. Donc, je fais la mission après, mais pour l'instant, je fais le point de vue. C'est ce que je voulais faire. Ça, c'est juste ça. C'est pas gênant. Allez. Allez, on gagne la fin montée. Ça t'a tout. Voilà. Ça t'a déjà avancé bien 10 mètres. Allez. Hop, voilà. Voilà. Mais non. Voilà, tu restes là. Et tu montes. Allez. Voilà. D'accord. Je suis en train de lire ce qui est marqué à droite en même temps. Hop. Allez, avance. Bon, par contre, il y a un coffre. On va essayer de le faire en même temps. On l'a croisé dans la mission principale, mais je sais pas où il est du tout. Je vais me pencher sur le problème après. Hop là, synchronisation. Il y a beau lever de soleil, je crois que ça va être. Avec la brume du matin. Le saut de l'ange parce que je ne sais pas du tout où qu'il est le coffre. Donc, s'il est en haut, ça me ferait chier de descendre pour remonter. Tu peux descendre par contre, s'il te plaît. Allez, merci. Alors, du coup, il est juste là. Voilà, donc, j'ai très bien fait. Voilà, je prends directement la carte sans plus tarder. Je vais aller où? Je vais aller là. Et on est parti. On va aller faire la petite mission là-bas. C'est quoi là-bas? C'est les escaliers, je crois, non?
Ça correspond à quoi? Déplacement rapide peut-être? Non? Bon, je vais voir, ça me perturbe. Non mais mec quoi. Voilà, merci. De quoi? C'est pas possible. Arnaud, quelle idée de pas être aussi leste. Franchement. Aïe aïe aïe. Pourtant, je pensais qu'il allait être attrapé au bâtiment en face là. C'est bien parti pour moi. Mais non. Non, non. Bon, tant pis. Non. Par contre, bonjour. Il y a un petit coffre là-bas. On va le faire. On va aller à côté. Les dents de canard sont vos vêtements. En parlant chien. On va le faire. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est le crieur. Alors, compétences. Tu vends des compétences corps à corps? Bah vas-y, on va acheter ça, hein. Sûr. On va acheter ça. Portée, tu vends quoi? Prends le pistolet, je pense. Ah, ça joue par rapport au point d'Aftago, quoi. Ça, je vais le prendre. Oh putain, ça coûte 2, j'en ai qu'un. Bon, c'est pas grave. On va économiser. C'est grave. Alors, du coup, c'est de l'autre côté. Bonjour, toi. Des chèvres, c'est quand même normal. Alors, j'ai resté trop longtemps à la taverne. Merde, c'est pas grave. Là. Vous voilà. J'avais prédit que quelqu'un jetait des cartes pour les puissants de ce monde. Et maintenant, certains me veulent du mal, car ils pensent que je les influence. J'ai vu mes ennemis dans un rêve. Escortez-moi, je ressentirai leur présence. Ok, vas-y, ça te prend la macouille. Passe devant, parce que si tu veux que je t'escorte, c'est quand même moi d'aller derrière. Vous, citoyens, vous vivez vos derniers instants. Quoi? Un homme de Dieu. Je crois que ça va être une mission très spéciale. Je sens que votre mari a une maîtresse. C'est fait. Venez de la campagne. Merde. Oui. Un sang de fermier. Il est dangereux. Je sens une présence maléfique. Oui. Il est tout proche. J'en suis certaine. C'est lui. Ah, à l'extérieur. Bravo. Il va bientôt pleuvoir. Je m'en souviens maintenant. Un soldat venait me tuer. Cherchez un homme en uniforme.
peut-être. Il y a plein. Un homme animé de mauvaises intentions est tapis à l'est d'ici. Non! En gros, elle a des visions, quoi. Voyons ce qui va se passer. Qu'un homme de loi cherche à me faire du mal. Un juriste. Je sens un homme animé d'une violence inouïe. Mais je sens bien qu'un meurtrier en devenir. Tu vis tes derniers instants, je lâche. Te voilà. Le tien. Abattez-le. Ah, les succès qui vont tous rappliquer du coup. Tour. Le coffre passage. Hop. Là. Hop, on retourne vers l'autre là. Il a rejoint le cœur invisible. Lâchez donc vos méchères à la vie connue. Venez plutôt vous divertir en ma compagnie. Je sais pas si vous voyez en haut à gauche, on a recrue d'élite. Parce qu'à mon avis, il y aura différents rangs. Je le vois dans mon esprit. Un homme corrompu, un bandit. Quelqu'un a été tué. En secours. En secours. Le danger nous entoure, telle une brume diabolique, même à cet endroit précis. Je vous laisse lire. C'est l'homme de mes sons. Comment va mon ami? Arnaud. Arnaud, comment te portes-tu? Qu'est-ce qui leur prend? Tu peux faire quelque chose, Arnaud, s'il te plaît?
travail. Ça c'est réglé. Tu es le bandit. Ah merde, j'étais pas à la bonne mission. Oh putain, vraiment. Il y a trop de crimes à Paris, c'est ça le problème. Trop de crimes, il faut que tu rentres partout. Et on sait plus où il faut aller. Et voilà. Ah, c'est réglé. On parlait à Lenormand. Lenormand. Le Normand, c'est ça plutôt. Le Normand. Hop là. Merci, mon bon. Venez me rendre visite. Je vous tirerai des parents. Votre avenir est plein de promesses. J'en suis certaine. Ok. J'ai gagné 500 francs. C'est cool. C'est cool. Alors, là-bas, on a un truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je retiens les noms. Du coup, on va passer là. Si on va en bas, du coup, je vais quand même aller en bas parce que sinon pour rien, c'est pas cool. Et non, donc c'est en haut. Faut que je vois si la maison en rouge là-bas, à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux. Oui. T'es pénible quand tu veux. Je te demande juste de monter en fait, c'est tout ce que je te demande depuis tout à l'heure quand même. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Ah, le pénible. Allez, monte. Allez, bouge ton garçon. Allez. Voilà, merci. Alors, ça s'appelle les cocardes. Voilà, c'est ça. Alors, nous avons un coffre là-bas aussi. Hop. Si on fait le tour comme ça, c'est rien. J'y crois pas trop. Donc non, c'est en bas. C'est en bas. Alors, du coup, tout en face de moi, tout simplement. Non, ça aurait été trop beau, forcément. En hauteur. Ouais. C'est quand même beaucoup sur les étages, je trouve, les trucs. C'est quand même beaucoup, beaucoup. Alors, on a une mission à côté de nous. Est-ce qu'on attend de la faire? Ah ouais, vite fait. On a le temps. Hop, hop. Les mousquets de Notre-Dame. Vous voyez, on peut accepter et suivre, accepter ou tout court. Et justement, pour un coup, je vais mettre accepter tout court. Tu es la cible. Tu es la cible. C'est faux, je suis. Oh, ah, si, d'accord. Oh, c'est bon, là, c'est. Hop là, viens, attends. Ouais, je comprends pas trop en fait. Un peu de patience, Camille. Je vais bouger, je vais accepter de suivre. C'est bon, je suis en jeu. Alors, il n'y en aura pas pour ça. C'est en bas en plus. C'est en bas. Hop. Je suis Madame Tussaud. J'excelle dans la fabrication de statues de cire et de masques mortuaires. J'ai promis à l'Assemblée de faire des masques des victimes célèbres de la guillotine. C'est macabre, mais c'était pour moi le seul moyen de sortir de prison.
Et aujourd'hui, quelqu'un a volé les têtes qu'on m'avait remises. Pourriez-vous les retrouver ? Bien sûr, madame, bien sûr. Une amie a découvert quelque chose qui pourrait vous sembler important. Elle m'a envoyé cette lettre. Chère madame, j'ai appris qu'un homme poétique bouffi d'orgueil par son rôle dans le renversement des Girondins s'est procuré la tête de Jacques-Pierre Bresseau qui vous a été récemment dérobé. Il travaille près de la conciergerie. Ami dévoué. Ouais. C'est quoi ce point? Je prends ça, je vois après le problème. Et voilà, concarde. Tu pars maintenant, tu ne seras point payé à venir, tu pensais. Alors la concarde, elle est où? Vous en avez reçu de bon? Plus tard peut-être. Ah putain, j'ai pas pris le... J'ai pas appris ça. Je crois qu'il est mon truc. Tu veux que je vienne te mettre en pièce, crétin ? C'est quoi là-bas ? Je suis plus trop allé en fait. Énigme, ouais, non, c'est juste que je suis l'émission, c'est pas bon ça. Non, c'est pas ça que je veux faire du tout. Il doit y avoir un truc de sous-sol, donc quoi. Je suis en train de chercher désespérément. Voir c'est en haut. Selon la rumeur, l'un des soldats gardant la Sainte Chapelle voulait se procurer la tête d'Olympe de Gouges, car il l'aimait en secret. Le juge qui a condamné Hébert souhaitait apparemment conserver sa tête comme trophée. J'ai vu le symbole là-bas. Voilà. Oh, il y a hop. Je sais qu'elle est longue, celle-là. C'est la troisième fois en moins d'un mois. Trop bien manger et vous allez me nourrir. Alors ça me va. La ferme. Qu'est-ce que vous voulez? Les crimes se multiplient. Je peux aider? J'ai les choses bien en main. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ha! Et tous ces meurtres qui restent sans coupable? Je t'ai dit de la fermer, Vidocq. Réfléchissez. À lui le travail, à vous les lauriers. Écoutez bien, si vous résolvez un meurtre, vous aurez droit à une arme du coffre. En attendant, j'ai des choses importantes à faire. Hé ! Je connais bien les rues. Je peux t'aider. Pourquoi le ferais-tu ? Parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée de cet infâme crétin de ministre de la police de lever ne serait-ce que le petit doigt pour donner à un gredin comme moi l'espoir qu'un jour, cette ville ne soit plus la fosse à purin qu'elle est aujourd'hui. Et puis parce que je m'ennuie comme un rat mort. Ah, pour l'amour de Dieu, Vidocq, tais-toi. Ouais, ça va toujours pas cette affaire. Bon, je vais vous laisser là, gamer. Je vais réfléchir au problème. Et demain, on se retrouve directement. Bah,
ici et on résout. Bah, bref, on fera les trucs qu'on a fait. Toutes les missions. C'est quoi là? Non mais oh. Franchement. Hop là, ouais, hop là. De respecter la loi dorénavant. Voilà. On va se laisser là et on se dit à demain pour finir ce qu'on a commencé. Parce que je réfléchis un peu pourquoi je n'ai pas les trucs de la mission, quoi, simplement. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce gameplay vous a plu. Je ne sais pas, liker, commenter et partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Nous on se retrouve dès demain sur Jesso Gaming. Allez, salut les gamers!